Bon, on rafraîchit la page. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent pas encore? Peut-être diminuer un poil le son. T'as pas l'air de marcher. Ah. Salut Taxia! Ah, bah, je suis content de te voir. Bah, tu vas pouvoir me dire si le son du jeu et le son de ma voix sont bien, si tout va bien de ce côté-là. Bon, c'est un stream un peu sauvage que j'ai décidé de faire. Parce que j'ai vu que le jeu était sorti aujourd'hui, enfin que c'était sa version finale a priori. Version 1.0, voilà, c'est marqué en bas en plus. Donc j'attends un petit peu avant de vraiment me lancer, voir s'il y a peut-être un peu d'autres gens qui viennent. En tout cas, je suis content de te voir. Le problème, c'est que quand je mets le jeu en... Quand je reviens sur mon bureau, on n'entend plus la musique. Un peu fort au niveau de ma voix. Je vais peut-être baisser un petit peu. Bah, ça, après, tu peux le gérer de ton côté. Et... Ah, si tu veux dire, le son de ma voix est un peu fort. Voilà. Si je remonte un peu le son de la musique... À la base, il était là. Voilà. Est-ce que c'est un peu mieux, là? Bon, quality check, c'est bon. Je suis en 720p pour le stream. Oh, il y a 3 viewers apparemment. Oula. C'est mieux? Ok, bon, super. Bon. Ben, on va bien voir ce qu'il va donner ce jeu du coup. Il y a 3 personnes. Bon, on va commencer alors. Donc, nouvelle partie. Alors maintenant, on peut apparemment customiser ses propres races, à ce que j'ai cru comprendre. On peut changer l'image. Ouais, si ça marche, ouais. Donc on a des trucs un peu par défaut, sachant qu'il y a... Et on peut mettre une vidéo aussi, donc on a les vidéos de base. Donc ouais, comme je disais, il y a un dossier apparemment dans les dossiers du jeu où on peut le mettre, donc ça a l'air modable tout ça. Bonsoir David Vial. Pareil pour le background, on peut changer le portrait du leader, changer la description, blablabla, changer les traits et habilités, mais bon, moi je vais jouer avec une race de base. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on joue? Parce que bon, j'ai testé Galsif 3 avec les humains les 2 fois où j'y ai joué, les fois où j'ai fait une dizaine d'épisodes sur ma chaîne et sur la bêta 6, quand la 6 est sortie. Enfin, dans le 2, j'aimais bien les Yor, ils étaient assez sympas à jouer. On va voir, ils ont quoi? Ah, attends, je vois un truc. Interface. On peut pas changer la langue? Non. On dirait pas. Attends, je vais juste baisser un poil. Pour que ça me détruise pas trop les oreilles. Voilà. Donc, il y a les Terran. Les Drengin, qui sont un peu la race offensive. La résistance altarienne, qui sont assez bons en recherche, il me semble. Après, il y a les Iridium Corporation, ce sont des commerçants. Des traders. Après, le Green Syndicate... je sais pas trop ce qu'ils font dans la vie, eux. Botique. Apparemment, ils ont pas de... leur population ne dépend pas de la nourriture, je crois, un truc comme ça. Ils ont pas besoin de reproduction et de consommation.
Après, il y a les Iconiens qui sont ceux qui ont créé les Yor apparemment. Oula, j'ai des petits problèmes de son. Bon, ça va. Salut Owid. Fertile. Et après, il y a les trucs là, les Talan. Moi, j'aime bien la. J'aime bien les Altariennes. Morale. Par contre, ils ont moins de hit points. Par contre, ils sont rapides, ça j'aime bien. J'aime bien quand on est rapide et qu'on a beaucoup d'influence. Et on a des petits bonus de logistique. Alors, salut du coup à tous. Il y a Elilo Latops aussi qui est par là, que j'ai vu, que je vois dans la liste des gens connectés. Donc, est-ce que ça vous branche une petite partie avec l'Altarian Résistance pour voir? Après, le problème, c'est que... Alors, Get Research from Repure Cursor Artifact. Les colonies sont plus difficiles à retourner culturellement. Ouais, ils sont censés ressembler aux humains, ouais. Ils sont censés un peu nos cousins. Alors, c'est quoi nos habilités, nous? La production... D'accord, le déclin de la production est diminué de moitié, déjà de base, sachant qu'il y a une technologie pour ça. Et la première amélioration sur les colonies est gratuite. Alors, je sais pas s'ils l'ont patché, mais je regarde en fait le stream de, comment il s'appelle, Quill18, un stream américain, qu'il a fait ces derniers jours, vu qu'il a eu une copie un peu à l'avance, soi-disant. Et oui, j'espionne qui est là, oui, j'ai une liste à côté, je vois les gens qui sont connectés. Et en fait, c'était un peu buggé parce que on pouvait se payer des trucs super chers dès la colonisation d'une planète. Ce qui est un peu abusé, ça aurait dû être que sur les bâtiments de base, de type usine, ce genre de choses. Alors que là on pouvait genre construire un chantier naval qui normalement sur une planète de base prend une trentaine de tours, une quarantaine de tours. Poum, bam, direct, gratos, c'était un peu abusé. Les Drengin sont paranoïaques. Free drones defend planet, shipyards and starbase, d'accord. Les colonies sont plus difficiles, ok, à faire du culture flip, un peu comme eux, ok, ils ont les mêmes. Entrepreneurs, ils ont deux trade routes en plus. Salut Killer Sambière. Bienvenue sur le chat. On a le tourisme direct, donc on a des thunes avec eux. Eux, ils sont prolifiques, 100% plus de population. D'accord, en fait, en fonction de ce qu'on a sur le vaisseau colon. Et on a un point d'idéologie à chaque fois qu'on envahit une planète, d'accord. Eux, ils sont synthétiques, donc il n'y a pas de nourriture et de croissance naturelle. Ouais, les Drengin, c'est les bad boys, les bad guys. Et ils peuvent coloniser les mondes extrêmes. Ça, c'est cool. Les Yor sont vraiment sympas. Ils construisent leurs citoyens, en fait. Après, Starfaring, toutes les Starbase ont leur premier module gratuitement. C'est pas... Surtout qu'en fait, vu qu'on y va avec un module de construction, on en a un deuxième. Et tous les vaisseaux sont immunisés aux effets des nébuleuses. C'est pas mal. Ensuite, eux, ils sont intuitifs. Ils ont une recherche d'un plus au début, d'accord. Et ils connaissent la position des autres homeworld. Oh, ça peut être pénible, ça. Et eux sont ancient. Donc, ils récupèrent de la recherche d'artefacts précurseurs. Je sais pas ce que c'est, les artefacts précurseurs. Sachant que dans les trucs de customize, on peut très bien copier une race. Et genre, je pourrais me customiser la race des Altariens si je voulais, quoi. Mais bon, on va faire ça. En termes de taille, comme vous pouvez le voir, la taille moyenne, c'est que la troisième. Hein. Vous avez vu un peu ces tailles de malade. Vous avez des trucs... Je sais même... En fait, ça serait bien qu'il y ait un texte ici qui explique le nombre. À quoi ça correspond. Parce que là, on n'a pas la moindre idée. C'est un peu dommage. Alors, je pense que je vais prendre Medium parce que c'est un petit live stream. On va pas... Je pense pas... Enfin, si on prend trop grand, on va pas avoir le temps de voir des choses intéressantes, quoi. Tu préfères la violence gratuite. Ensuite, on a le type de galaxie. Donc, on a une galaxie en spirale, des clusters éloignés, des clusters rapprochés ou complètement scattered. J'aime bien taille clusters pour des petites parties sympathiques. Ensuite, en termes d'options, donc là, on peut définir si les planètes sont fréquentes, leur abondance, l'abondance des ressources, des anomalies, ce genre de choses. On va laisser tel quel, le truc par défaut.
Ensuite, vous avez les options de victoire, donc la conquête, il suffit de dominer, de conquérir toutes les planètes ennemies. L'influence, donc ça c'est, il faut contrôler une certaine partie des zones spatiales, je crois que c'est 70%, tout comme ça. Moi j'aime beaucoup faire l'influence, c'est assez sympa. En gros, le principe c'est construire des McDonald's sur toutes les planètes de nos ennemis en fait. Ensuite, la recherche, il y a une technologie ultime à débloquer. Ça, c'est un peu cheap, je trouve, comme condition de victoire, moi. Mais bon, en général, l'IA va pas la faire avant nous. Souvent, on est plus avancé qu'elle. L'ascension, il y a 4 cristaux d'ascension, je crois. Et il faut en avoir 2, il me semble. Ou alors, avoir un cristal génère un certain nombre de points. Et une fois qu'on atteint un certain nombre de points, on a gagné. Ça veut dire qu'en fait, on a trouvé un moyen de s'élever vers un plus haut niveau de conscience. Non, oui, je prends pas Huge parce que je suis pas en train de démarrer une nouvelle série sur YouTube, je fais juste un stream là comme ça ce soir, ça sera même pas rediffusé sur la chaîne, je pense, je sais pas, peut-être. Mais si on prend une galaxie trop grande, ça va prendre trop de temps avant que des choses commencent à se passer. C'est dommage. Ensuite, bon, l'alliance, donc ça c'est sympa de pouvoir gagner en s'alliant avec tout le monde en fait. Et après, une limite de tour. Ça, moi, je trouve que c'est nul. Voilà. Donc, ça n'a aucun intérêt. Et en plus, surtout, c'est quoi la limite? Pourquoi il ne nous le dit pas? Pourquoi on ne nous dit pas c'est 1000 tours, par exemple? Bref. Game difficulty. Bon, on va rester un truc de base. Il y a des pirates, maintenant. C'est eux qui vont surtout nous faire chier au début du jeu, a priori. Et on peut interdire le commerce de technologie. Et après, on doit choisir nos opposants. Donc les Drenging, les Yor, l'Alliance Terran. On peut en rajouter ou en enlever. Mais on peut pas. Ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on peut pas. Comment dire? On peut pas dire je veux pas savoir. On peut pas dire prends un truc aléatoire, quoi. On est obligé de dire je veux ça, ça et ça. Ça c'est un peu dommage, pourtant dans le 2 c'était possible, on pouvait dire je veux un nombre aléatoire d'ennemis et de leur difficulté aléatoire. Remarque la difficulté, j'ai pas regardé, viens voir. Ah si, au moins on a une difficulté aléatoire. Et après pour les teams, ouais non c'est juste team de 1 à 10. Bon on va rester sur les trucs de base, les Yor, les Drenging et les... J'ai pas envie de qu'il ait rien. On va prendre la Corpo Iridium, voilà. Et c'est parti. Bonsoir à David Vial, qui est là aussi. C'est bon, j'ai déjà dit bonjour aux autres. Ah, vous êtes 9. Donc moi, le jeu, je l'ai eu en bêta, je m'étais payé la bêta. Bon, allez, j'avais pas payé le package des fondateurs, parce que c'était genre, je sais plus, c'était plus de 100€, je crois, pour pouvoir y aller. La résistance altarienne. Bon, c'est une race très religieuse, blablabla, bla bla. Je vais pas faire les traductions parce que sinon... C'est dommage parce que, une chose à savoir, c'est que les textes sont très drôles. Alors, je vais juste vérifier un truc vite fait. Donc vous allez plus avoir de son pendant quelques secondes. Ah, j'ai un nouvel objet dans mon inventaire sur Steam, c'est cool. Voyons voir, si je fais propriété, est-ce que je peux changer la langue du jeu? Non, je peux pas changer la langue du jeu. C'est dommage. En tout cas, pas dans Steam. On dirait des elfes. Alors, les Yeltariens sont une race profondément religieuse. Ils possèdent une histoire unique qu'ils prétendent... Unique history avec claim was touched by powerful... Apparemment, ils se prétendent... On va dire quoi? Ils se prétendent héritiers des précurseurs? Ils se prétendent... Prétendent que leur histoire a été influencée par les précurseurs, peut-être? Ils sont gentils et généreux... Et leur histoire unique en fait des gens... D'accord. Ouais, c'est un peu genre les petits chefs qui sont toujours à donner des leçons aux autres. D'accord. Pour une raison inexpliquée, ils ont une apparence quasiment identique aux Terriens, effectivement. Les prophéties altariennes ont parlé des jours où ils vont rencontrer leur cousin. Mais peu de gens connaissent cette prophétie. Et non, rien à dire sur ce qui se passe après quoi.
Les Altariens sont des font de la recherche de façon cautionneuse. Ils sont généralement contents et ont de l'influence vers leurs voisins. Leurs vaisseaux sont très rapides mais fragiles et ils peuvent organiser des flottes plus larges, plus grandes que celles des autres. Ouais, les humains aussi, ils ont un peu le même profil que les humains en fait. Bon, donc on a Altaria, ça c'est notre carte. Ouais, vous voyez, c'est vraiment une petite carte. Donc on a des ressources, ces ressources permettent de construire des technos un peu spéciales. On commence avec 3 vaisseaux et un chantier naval, donc maintenant dans Calcif 3, c'est pas comme dans le 2 où chaque planète produisait des vaisseaux. Maintenant il faut un chantier naval pour produire des vaisseaux. Et ici nous avons donc notre capitale. Chaque zone sur une planète, on peut y construire des bâtiments. Et nous avons des zones qui ont des bonus particuliers. Donc ici on a un bonus de plus 3 à l'influence. Donc ça c'est génial vu qu'on veut faire un game un peu orienté influence quand même. On va pouvoir construire un consulat ici. Et qui en fait, en gros vous voyez, si je construis un consulat ici, il gagne plus 3 à son niveau d'influence qu'il va générer. Si je le construis ici, je suis à quoi? Je suis à 25% d'influence growth. Si je le construis ici, je suis pareil. Mais ici, j'ai un influence improvement de 0, influence improvement de 3. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, faut que j'enlève. Vous voulez? Mais il gêne. Attends. Il gêne là le truc? Ah ouais, il gêne. Il gêne carrément même. Hop. Faudrait que je le mette en bas en fait. Ouais, faudrait que je le refasse. Faudrait que je fasse un overlay spécifique à un jeu en fait. Pour qu'il soit un endroit qui gêne pas. Bon, comme je disais, donc la construction d'un bâtiment va donner un bonus aux tiles adjacentes. On a par exemple la capitale qui donne un bonus à n'importe quoi. Donc vous pouvez construire n'importe quoi autour de la capitale de la colonie et vous aurez un bonus à votre truc. Mais là, le problème c'est que notre colonie, bien entendu, n'a aucune tile autour. Donc ça, c'est pas cool du tout. Et en fait, quand vous voyez ici, il y a deux trucs. En fait, ça fait plus 3 d'influence sur la tile où il est. Et plus 1 de tourisme aux deux autres à côté. Voilà. C'est bon à savoir. Et donc, du coup, il faut mettre des bâtiments similaires côte à côte pour bénéficier des bonus. Et l'avantage, c'est qu'avec la technologie de Soil Enhancement, on peut débloquer des nouvelles tuiles à chaque niveau de technologie d'amélioration des planètes, en fait. Et ce déblocage, on peut le mettre où on veut. Enfin non, il y a pas où on veut, on nous propose une liste d'emplacements. Et ça permet souvent, en fait, par exemple, on pourrait en mettre un là pour bénéficier du bonus de la capitale de la technologie, et puis du coup, d'avoir un autre case à côté. C'est quoi ici? Plus 2 au military et plus 1 manufacturing. Donc du coup, si on voulait, vous voyez, on aurait un plus 1 ici, direct, grâce à cette tile. Donc, on va construire une factory de base et on va l'acheter direct. Et ensuite, on va faire une autre factory parce qu'il faut augmenter la production sur la planète. Et dans un temps suivant, on va faire de la recherche et on mettra un consulat ici. On va s'arrêter là, on va pas tout remplir parce qu'on va débloquer des nouveaux bâtiments. Et voilà. Bon, ici, on retrouve donc l'influence. Le fait qu'on ait une capitale de colonie, ce genre de truc, ça augmente l'influence. La classe de la planète, c'est une planète de classe 10, donc c'est une planète très moyenne, et ça définit le nombre d'emplacements qu'il y a, hein, la classe de la planète. La population dépend de la taille de la nourriture, sachant que la nourriture, vous voyez, civilisation capitale, parce qu'on, ça c'est la capitale de notre civilisation, on a 5 de base, parce qu'on a une capitale de colonie, on a 5 de plus, donc ça nous donne faut de plus 5, sans enrage plus 5 et tout. Et ça va déterminer jusqu'à quel niveau notre population peut grimper, donc c'est 10 sur 10. Donc on va aussi débloquer des bâtiments qui vont nous permettre d'augmenter la nourriture. Après la maintenance, donc ça c'est tous les bâtiments qu'il y a, ils coûtent de la maintenance à entretenir. Nous avons la... comment on dit en français ça? Le moral. Donc plus 2 parce qu'on est content, ça c'est un de nos traits de race global. Ensuite, vu que c'est colonie capitale, on a plus 3 de base, et plus 2 parce que c'est la capitale de notre civilisation. Sachant que le moral impacte l'influence, la croissance et la résistance. Donc l'influence, high approval plus 4,5%. C'est quoi après? La croissance, voilà, high approval plus 4,5%. Et la résistance, high approval plus 4,5%. Donc, et ensuite vous avez Planetary Defense, ça c'est pour résister aux invasions.
Bon, donc du coup, sur notre capital, ça a l'air bon. On a rushé notre Basic Factory. On commence avec un vaisseau de... Comment ça s'appelle? Alors, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est que voilà, si vous dézoomez, vous voyez tout sous forme d'icônes. Moi, j'ai tendance à jouer comme ça, je préfère voir les icônes. Mais après, si vous zoomez, vous pouvez voir voilà, les vaisseaux de façon un petit peu plus détaillée, quoi. Alors moi, je préfère ça parce que là, au moins, on sait ce que c'est. Donc ça, c'est notre vaisseau sonde. Salut Nanook. Donc le vaisseau de sonde, on va l'automatiser avec des commandes et on va lui dire d'aller explorer et d'analyser en fait les anomalies. Donc il y en a une ici, il va certainement aller là-bas. Et ces anomalies en fait vont nous rapporter de l'argent ou nous débloquer des technologies, ce genre de choses. Non, c'est pas un let's play, c'est juste un live. Le jeu vient de sortir à 1.0. Et j'avais envie d'y jouer, et vu que bah, vous êtes là et que je connais le jeu, j'avais envie de vous l'expliquer au passage, pour ceux qui le connaissent pas forcément. Mais c'est pas un enregistrement de Let's Play pour YouTube, hein, pas du tout. Donc ça, nous avons un scout, donc on va l'envoyer explorer, donc lui il va juste lever le brouillard de guerre. Et après nous avons un vaisseau colon, sachant qu'on a une classe 6, à peine habitable, dans notre système de départ. Donc c'est pas mal parce que les terriens, eux, le sol système commence avec une classe 12, alors que là on n'a qu'une classe 10 et une classe 4. Là on a une classe 10 et une classe 6, donc on peut la coloniser direct en fait. Alors, pour nommer les planètes, je vais regarder dans le chat et je vais nommer la planète en fonction de la dernière personne qui a parlé. Donc je regarde dans le chat maintenant. C'est Nanook. Voilà. Donc voici notre première colonie. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est que la première fois qu'on fait une chose dans ce jeu, poum, on a une petite vidéo qui nous montre. Finalement, après leur long voyage, ouais, les mecs sont allés dans le même système, vos colons ont posé le pied sur un monde alien. Leurs efforts, les efforts qui ont été requis pour aller aussi loin dans le même système solaire. Ce n'est que le début. La galaxie est remplie de mondes que nous pouvons prendre. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a là? Plus 3 manufacturing. Boum, direct. Et plus 1 tour recherche pour le autour. Par contre, putain de merde. C'est quoi ça? Plus 2 à la recherche? Ouais, mais pourquoi tu me le mets sur des tuiles qui sont isolées, quoi? J'espère que ça te donnera plus envie que Galactic Civilization. Mais c'est Galactic Civilization. Non, Taxian, je vais nommer en fonction des noms des gens, parce que vu qu'il y a à peu près une minute entre ce que vous dites et ce que je fais, je peux pas dire « Ah, comment je la nomme ?» Poum, j'attends une minute. Ah, ok, merci d'avoir donné. C'est pas possible, ça ferait des blancs insupportables. Il faudrait que je meuble, je vais faire autre chose, je vais oublier ce que je faisais. Bon, on va juste faire ça, et je pense qu'on va l'acheter direct aussi, pour 450. Et on verra au prochain tour comment on fait pour là-dedans. Après, si on regarde un petit peu, donc là, on a les conditions de victoire, on voit notre avancement là-dessus. Ici, on gère, en fait, combien va vers le fric, combien va vers la production et combien va vers la recherche. Donc, on va booster un petit peu notre production. On n'a pas besoin de générer d'argent. Pas trop, du moins. Et ça, c'est le slide qui permet de savoir ce qui va vers la construction de vaisseaux et vers la construction sociale. On le retrouve ici, ça fait 7 et 7 au total. Sachant qu'en cliquant ici, vous pouvez resetter toutes les planètes pour avoir cette configuration-là. Parce que si je regarde ici, par exemple, je clique sur Govern Planet, ce que je change ici est uniquement local. Et pas au niveau de l'Empire. Ensuite, on a la techno ici. Ah, sympa. Chez les humains, ils ont une espèce de scientifique qu'on voit au gros plan qui est assez horrible, alors que là, on a cette espèce de droïde, c'est beaucoup plus sympa. Donc, on a nos recherches qu'on doit rechercher. Oui, je sais, je dis des choses très intéressantes. Alors, le xénocommerce, on pourrait commencer à construire des buildings économiques. Si on prend la xéno-industrialisation, en fait, ça va nous permettre d'avoir des xéno-factories qui sont meilleures que nos factories de base. Et on aurait des antimateurs power plant direct. Bon, ça peut être pas mal, ça. Ça, c'est les fermes, les fameuses fermes pour augmenter la taille de la population. Ensuite, en ingénierie, on aurait le Interstellar Travel qui nous donne plus un de mouvement, donc ça permettrait de se déplacer plus loin. Ah, Beyond Earth. Oh, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir.
Non. Mais ouais, moi je suis comme toi, j'ai pas trop aimé Beyond. Sympa l'écran, il y a des âges maintenant, comment ça? Ça, c'est pour avoir des coques de vaisseau plus grosses. Ça, c'est des trucs militaires, on va pas les faire tout de suite. Sinon, on peut voir le tech tree, carrément. Donc, on voit, c'est appareil, c'est séparé par champ de recherche. Et ici, on a différents âges, en fait, de technologie, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, au bout d'un certain nombre d'unlocks, poum, on passe à l'âge d'après. Je sais pas si ça a des influences particulières. Mais en gros, ce que ça veut dire, ce qu'il y a de bien dans ce jeu, en fait, c'est que on peut vraiment. Le début de partie est vraiment très calme, en règle générale. Owid, tu peux le revoir, sinon, sur la chaîne Twitch, il y a tous les anciens lives qui sont disponibles et qui peuvent être revus. J'ai eu mal à parler ce soir. Donc là, on voit le tech tree. Donc les tech trees sont assez grands, comme vous pouvez le voir. Sachant qu'après, vous voyez, il y a un niveau de recherche et un niveau de spécialisation à chaque fois. Industrie, spécialisation, construction, optimisation. Et en fait, là, il y aura trois techs et on devra en choisir une. On pourra pas prendre les trois. Sachant qu'on devrait pouvoir commercer avec les autres civilisations pour récupérer des spécialisations. Bon alors. Si on prend les Universal Transat. Ouais, vous voyez, si je clique. Donc là, diplomatie bonus plus 1. Influence growth plus 10%. Et diplomatic trade value plus 10%. Et après, là, on pourrait commencer à faire des trucs d'influence plus gros. Donc ça va m'intéresser. Mais déjà, dans un premier temps, là, en fait, c'est là qu'on peut commencer à améliorer nos instituts de recherche, ce genre de choses. Donc on va prendre ça. Notre shipyard doit bosser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Ça, c'est un vaisseau de construction. C'est con qu'ils ont des noms bizarres. Ça, c'est un vaisseau de colonisation. Donc, on va en construire un. On va en acheter un même. Il coûte combien? 1545. On le rush. Et on va faire après deux vaisseaux de scout. Et ensuite, on a des sponsors. Alors, qu'est-ce que c'est, système de sponsors? C'est que, en fait, un chantier naval a des planètes qui le soutiennent, qui lui fournissent de la production. Et l'on voit qu'Altaria fournit 4,4 de production et Nanookt nous fournit 2,3 de production. Ça, on peut l'éditer pour savoir quel. On space les vaisseaux. On peut éditer et surtout que comme vous pouvez le voir, ce decay, en fait, plus le chantier naval est loin de la planète, plus en fait la production qui est fournie est moins grande. La map, je peux changer effectivement. On peut jouer comme ça si on veut. Ça donne pas mal de caractère, on va dire, à l'interface. Mais personnellement, je préfère jouer un petit peu, voilà, comme ça. C'est parfait, moi je trouve comme ça, c'est la vue isométrique. Et sinon c'est 2D, hein. C'est pas comme Swords of the Stars 2, où j'ai commencé un let's play depuis quelques jours sur ma chaîne, qui a une map effectivement en 3D. Bon, donc notre shipyard est en train de construire. Ici on trouve donc nos vaisseaux, nos starbases, des points de ralliement, ça c'est pas mal pour organiser nos flottes. Et ça c'est les notifications. Ok, là on a notre argent, on a notre population. Notre morale, le tour actuel, des graphiques. Pour l'instant, c'est vide parce qu'on n'a pas commencé. Et notre puissance. Donc, ça, c'est le classement en gros. Voilà. Si je reviens ici, il y a d'autres choses aussi. On peut revoir donc nos colonies, savoir ce qui est voilà, ce qui est produit et sur la planète et dans le shipyard auquel la planète est associée. Ensuite, on peut faire on peut programmer entre guillemets des commandes, c'est-à-dire dire tous les shipyards qui construisent des light spreaders devraient construire des distant gaze par exemple. Quand vous avez 10 shipyards, c'est pratique.
Tous les vaisseaux qui envoient des trucs à trucs non assignés doivent les envoyer à Altaria, par exemple. Donc c'est là que vient l'intérêt. Par exemple, si on dit create new rally point, on va dire les vaisseaux, je les veux là. Altaris rally point 1, je peux le renommer si je veux. Pas comment d'ailleurs. Ah si, voilà, en cliquant dessus. Et là, du coup, je reviens là et je dis tous les trucs qu'on a signés vont là. Update. Tous les vaisseaux qui vont au rally point, je veux que vous alliez là. Qui vont nulle part, je veux que vous alliez là, par exemple. Voilà. Et les planètes qui sponsorent ce shipyard, je veux qu'elles tous... Boum. Bon, ça sert à rien, mais voilà. Moi, je l'ai pas trop utilisé. Faudrait que j'apprenne à l'utiliser. Oui, le dessous-dessus, c'est du domaine du possible. Effectivement, mais souvent dans les séries télé ou dans tous les trucs, on voit vraiment l'univers comme un truc en 2D, quoi. Ça c'est pour le trade, mais on n'a pas encore le trade. Et ça c'est la timeline pour voir bon, la puissance des gens et tout. Ensuite, donc, ça c'est l'arbre de technologie. Ça c'est l'idéologie. Donc il y a un concept d'idéologie. Vous avez trois idéologies, bénévolente, pragmatique et malévolente. Malveillante, bienveillante et pragmatique. Ça donne des bons bonus au commerce et à la production. Ça donne des bons bonus à la recherche et à l'approbation. Et ça donne, il me semble, des bons bonus à vos troupes, tout simplement. De meilleurs warship. Donc, comment se passe la croissance d'une planète? Donc, la croissance d'une planète dépend déjà de base de à quelle taille elle peut croître, dépend de la classe de la planète. Plus une planète est grosse, plus elle peut accueillir de population. Sachant que la population, le maximum de population est aussi déterminé par le niveau de nourriture. Enfin, non, il est. Non, pardon, j'ai dit la merde. Oulala, j'ai dit la merde juste avant. La classe de la planète détermine le nombre d'emplacements. La nourriture produite sur la planète détermine la taille de la population qu'elle peut héberger. Boum, 10 sur 10. D'accord ? Et on croit à un certain niveau, comme vous pouvez le voir ici, on a 0,1 de base, et grâce au fait qu'on a une bon morale, ça augmente un peu. Voilà, et jusqu'à arriver au maximum. Et quand c'est au maximum, on commence à avoir des problèmes de morale parce que justement, on est un peu surpeuplé, en fait. Enfin bref, on va laisser passer quelques tours, on va bien voir ce qui se passe. Bon, je pense qu'on peut... Ah non, alors oui. Il y a maintenant la diplomatie. Donc ça, c'est un nouvel écran que j'ai pas encore vu. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir, en fait, autour de nous les autres trucs. Alors, j'ai pas encore vu jusqu'où ça allait. Ça a l'air intéressant sur le... Sur le papier, il y a des civilisations majeures et des civilisations mineures. Pour l'instant, on n'en a rencontré aucun. Je sais pas si j'ai activé les mineurs. Ensuite, on a les détails des traités. Et ça, c'est l'United Planet. C'est un peu comme l'Assemblée mondiale. Donc là, c'est l'Assemblée galactique. Avec les résolutions qui viennent influencer le jeu. Oui, on va finir. Je voudrais juste montrer à la fin le designer. On peut designer des vaisseaux. C'est vraiment un aspect assez fort de Galaxy Civilization 3. Je peux utiliser ce design. Voilà. Et en fait, soit je peux me mettre en mode design et rajouter juste des trucs. Merde, il m'a enlevé mon vaisseau. Boum. Je peux prendre juste des sections. Ah ça, je dois choisir la section de base en fait. Donc si je prends ça par exemple. Et qu'après, je peux lui rajouter des composants. Vous voyez? Et ces composants, je peux les animer. Il va falloir les scaler. Je peux les animer. Lui mettre une rotation. Personnellement, je suis pas un grand fan de ce truc, mais... Ouais, c'est moche. De toute façon, je suis mauvais. Et après, on peut y mettre des composants utiles. C'est-à-dire des moteurs... Des canons, des boucliers, ce genre de choses. Voilà. Allez, on passe le tour 1. Donc, ça se déplace. Ok, donc là, on a produit un vaisseau colonie sur Altaria. Il nous demande combien de population on veut mettre dessus. Sachant qu'il va prendre... soit il prend la population que d'une planète, on sélectionne parmi les sponsors du shipyard. On va prendre que de Altaria. Voilà, et il s'est déplacé à cet endroit-là. Oh, on a un ascension cristal juste à côté de nous. C'est intéressant, ça.
Donc les points qu'on voit là, c'est les autres étoiles. Donc ce qu'on va faire, c'est que notre vaisseau colonie, on va l'envoyer peut-être vers là-haut, peut-être qu'il va trouver des étoiles une étoile intéressante. Ensuite, on a une colonie qui fout rien, oui. Donc maintenant, en production, comme vous pouvez le voir, on est à 4,7 de base et plus 40% grâce à cette Basic Factory qui nous donne 25% de base et parce qu'elle est level 3 grâce au Cataract. Donc ça là, ça lui rajoute encore plus 15%. Donc là, on est à plus 40%, donc c'est presque comme si on avait deux factories en fait. Oui, les vaisseaux sont beaucoup plus évolués que dans Kerbal Space Program. Du coup, après... Je pense qu'on va faire deux labos de recherche. Voilà. Et on va faire que ça pour l'instant. Ah, on a une planète classe 9 qui a un bouclier, on dirait. Plus 25% à la recherche, plus 0,3% à la défense planétaire. On n'a pas vraiment d'effet graphique qui nous le montre. Il n'y a pas un truc pour revenir... Ouais. Bon, une classe 9, c'est pas trop mal. C'est presque aussi bien que notre capital. Donc voilà, à chaque fois qu'il se passe un truc, on a une petite animation. Votre vaisseau d'exploration approche un objet mystérieux. Tous les senseurs sont... C'était à la sensibilité maximum. Un secret de l'univers, le premier parmi plusieurs, va bientôt se révéler à vous. Yeah! On a gagné plus 15... Attendez. Treasury plus 15, c'est-à-dire qu'on a... Non, c'est pas les fonds. Je sais pas ce que c'est Treasury. On n'a pas une liste des... Vous voyez, on a nos points. On n'a pas une liste de nos avantages et désavantages... En tant que civilisation. Ah, si. Bah non, c'était bien ça. On a juste gagné 15 de thunes. Abusé. Alors, de quoi le truc rouge? Je veux juste jeter un œil voir ce qu'il y a sur ce système et après on ira peut-être la coloniser. Ah, on a un nouveau truc de recherche, donc on a récupéré ça, donc on va avoir des Xeno Recherche Factory et Xeno, enfin Xeno, voilà. Et on a un intimateur PowerPoint. Oh putain! D'accord. Donc ça, en fait, comme vous pouvez le voir, c'est un truc, vous le foutez et vous mettez plein de trucs autour et ça donne plus 2 à tout le monde. C'est super! Et après ça, c'est pour les Starbase. Industrial Specialization. Nouvelle technologie. Oh, mais c'est que vous êtes nombreux, dis donc. Vous êtes 14. Bienvenue sur le stream à tous les gens que je n'ai pas encore vu discuter dans le chat. Je vous en prie. Manifestez-vous, manifestez votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on peut revenir là. Ça, moi, je trouve ça plus sympa. Si on passe... Alors, on peut prendre la spécialisation pour 4 tours. Donc, plus 10% de manufacture au global. Plus 10% de recherche. Ou... Diminution des coûts. Nous, on a déjà des bonus sur la recherche, donc on va se spécialiser encore dans la recherche. Ah ouais, un truc aussi, c'est que quand on passe la souris... Attendez. Voilà. On voit notre influence. Donc si je regarde ici, je suis à 15,2 sur ma planète principale. Et au plus je m'éloigne, vous voyez, on est à 13,8, 6,1, 1,7, 0,3 et 0,0, mais c'est considéré quand même comme à nous. Et quand vous avez d'autres civilisations qui sont contre vous, vous pouvez lutter pour prendre le contrôle de zones spatiales. Et c'est pas mal, notamment quand il y a des ressources. Et en fait, si la planète ennemie se trouve dans votre zone d'influence, il y a une chance pour que vous la convertissiez et qu'elle soit à vous, quoi, tout simplement. Bonjour, bonsoir justicière, est-ce que le jeu est fait par les mêmes développeurs que Civilization? Pas du tout. Depuis l'origine, Galactic Civilization 1, 2 et 3, les bases des deux jeux de la série Civilization et Galactic Civilization se ressemblent comme deux gouttes d'eau, faut pas se voiler la face, c'est vraiment
C'est vraiment très proche, mais quand même, il y a suffisamment de différence pour que ça soit pas juste un copier-coller, parce qu'il y a, eu des modes ou des modes de jeu, on va dire, pas des modes en tant que tel, enfin si, on a eu des modes, mais mettant Civilization dans l'espace, mais en gardant vraiment pile-poil les mêmes mécaniques que Civilization. Là, on est quand même dans quelque chose de différent. Voilà. Donc, mais l'avantage, c'est qu'on est, les gens qui aiment Civilization ne sont pas dépaysés non plus. Bon. On va voir, on a 2500 de thunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rusher ça. Combien? 300. Bim. Surtout que maintenant, comme vous voyez, ça m'a mis Xenofactory. Ça va l'upgrader automatiquement quand ça va arriver là. Et sur Altaria, on a une Basic Factory. Je vais l'acheter aussi. Voilà. On a des thunes à dépenser. Yard, on peut attendre, je pense. Ouais, plus qu'un tour, on peut attendre. Bon, on va envoyer coloniser ça. Ah, on a eu un explorateur, donc, enfin un scout. Ah ! Classe 15, ah, il faut atmospheric cleansing. Moins 50% en total production. Quand même. Dommage, c'est un classe 15. Alors, on a chopé du coup les plus 10% à la recherche. Ouais, on est à 25. Voilà, on voit ici la recherche qu'on génère chaque tour. On va prendre Planetary Improvement. Cargo pods à plus 100, c'est mieux. Ok. Sur Altaria, je vais le rusher ça. Voilà. Ah non, c'est pas Altaria, c'est Nanookt. Putain, chaque fois. Chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Je rush un peu ces trucs. Oui, c'est limite. C'est la carte, j'ai pris une carte moyenne. Et elle est de forme hexagonale. Donc ça, c'est la limite de l'univers. On peut pas aller au-delà. Tardoc vient de montrer que l'univers avait une limite. Donc voilà, je démarre le jeu contre le bord de la map, si tu veux. Hop, continue. On va très rapidement croiser des gens, hein, dans cette... ouais, plutôt de la galaxie, effectivement. Alors, on va peut-être... Non, on va construire un vaisseau colon, et après on va faire un constructeur. Pour aller plus loin que quoi? Ça, c'est la limite de la map. C'est, si j'avais pris une map plus grande, elle aurait été 100 fois... Enfin, si tu prends la map la plus grande, elle est 100 fois plus grande. Là, j'ai pris une carte parmi les plus petites, parce que je voulais que dans cette partie ce soir, les choses aillent vite. Parce que dans une map très grande, ça vous prend des dizaines de tours avant de rencontrer quelqu'un, et ça devient très vite... Vos empires deviennent très vite ingérables. C'est vraiment fait pour les joueurs avancés. Et par contre, nos vaisseaux ont effectivement une distance limite de voyage, que tu vois, c'est ces petits tirés là. Ça, c'est à cause de leur, comment on dit, life support en anglais, tu sais, c'est le... Merde, j'arrive pas à trouver les termes. Bon, le ravitaillement, si tu veux. Le ravitaillement. Et oui, l'univers est petit parce qu'on a choisi une carte petite au lancement de la partie. Donc voilà, il y a quand même une limite de portée de vos vaisseaux. Elle augmente avec des nouveaux modules ou avec, comment dire, avec des nouvelles technologies, quoi. Et c'est par rapport à la position de vos planètes les plus proches. C'est-à-dire, si je colonise une planète ici, j'aurai ma distance de ravitaillement qui pourrait aller jusque-là, du coup, quoi. Alors... On a les Xenopharm, ok. Alors, ce qu'on va prendre, c'est les Universal Translators, parce que je sens qu'on va bientôt rencontrer des gens, et ça nous permettra de leur parler. Sinon, ce qu'ils nous disent n'est que du... comment dire, blablabla, comme ça, voilà. On comprend rien. Ah, une nouvelle planète. Donc, je vais regarder le chat dans 3, 2, 1, top. C'est Taxia qui a parlé en dernier. Donc c'est Taxia. Voilà.
Donc si vous voulez que votre nom apparaisse, bah, de toute façon, s'il n'y a que Nanook et Taxia qui pas, il va falloir que j'aille chercher dans la liste des gens qui sont en ligne. Alors, on a notre... On a eu un événement de... Merde, je me rappelle pas si on a eu un événement au premier tour. Bon, en gros, quand vous colonisez une planète, vous avez un événement qui vous permet en fait de choisir le par rapport à votre idéologie, c'est-à-dire bienveillante, malveillante ou pragmatique. Alors, vous avez des anomalies, effectivement, trous de verre dans le jeu qui envoient vos vaisseaux à l'autre bout de la galaxie, mais dans les petites galaxies, c'est pas trop grave, mais dans les très grandes galaxies, ça peut poser des problèmes. Alors, une période d'activité solaire plus grande que d'habitude a causé à une espèce d'insecte qui dormait avant, une espèce d'insecte dormante de soudainement se réveiller et de se démultiplier, ce qui a grandement limité l'activité de notre colonie. Nos scientifiques ont développé un champ sonique qui peuvent tuer les insectes, mais pensent qu'ils pourraient améliorer cette technologie pour se débarrasser sur ce monde de ce truc pour toujours. Les effets que cela aurait sur l'écosystème sont inconnus pour l'instant. Quels sont nos ordres? Donc ça, c'est l'option bienveillante. Si cette technologie kill tue en masse, on ne peut pas l'utiliser, nous sommes bienveillants. Construisez tout derrière des trucs de protection pour un certain temps. Et voilà, c'est tout simplement une part de cette planète alien. On devrait l'accepter telle quelle, quoi. En fait, on devrait en faire une pub, transformer la planète en parc d'attractions pour que les gens viennent regarder cette chose-là. Donc, on gagnerait des points de bienveillance, on perdrait de la production, du moral, mais par contre, plus 50% de tourisme. Donc, la planète générerait beaucoup de thunes grâce au tourisme. C'est vers VERS, hein, c'est des trous de verre comme un ver de terre. Alors, l'option pragmatique, appliquer la technologie, mais seulement suffisamment pour continuer nos opérations de colonie. Plus 10 pragmatique, tout court, la planète n'a pas de malus ni de bonus. La malveillante, tuer toutes les bestioles. Tuer les plus grosses et les plus petites, et surtout celles qui font une taille intermédiaire. Tuer-les tous. Et ensuite, on verra quel est leur goût. Donc, plus 10 de malveillance et plus 20% de production de nourriture, du coup, parce qu'on va les bouffer. C'est rigolo. Nous, on va aller vers la bienveillante, parce que c'est ce qui caractérise un peu mieux notre race. Quoique, si on veut faire un truc d'influence... On a qui comme ennemi? On a des gens qui sont plus naturellement malveillants et des pragmatiques. Ah mais tu veux pas, il veut pas être azo. Non, on va prendre l'option pragmatique sur celle-là pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Plus 2 à la richesse, mais on n'a pas encore les bâtiments de richesse, et plus 1 à la recherche. Donc on pourrait faire 2 centres de recherche ici, ça serait parfait. Ici, plus 2 à l'influence, mais pareil, on n'a pas de zone sur le côté. Et ici, plus 2 à l'influence sur zone, et plus 1 à la richesse autour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une factory ici, qu'on va rusher. Et ici, un labo et un labo. Donc du coup, vous voyez, il a plus 2. Et il a plus 2 parce que lui, il donne plus 1 aux 2. Et lui, donne plus 1 à lui. Et lui, donne plus 1 à lui. Ensuite, on va faire un consulat ici. Et on verra après ce que ça va donner. Ok. Ah oui, du coup, on a gagné des points d'idéologie. Donc cette première nous permet de construire le Preparedness Center qui produit un point d'idéologie tous les 10 tours. Pas très intéressant. Nous donne 3 constructeurs gratuitement. Ça c'est bien ça. Nous donne un freighter gratuit et une licence de trade gratuite. Donc on pourrait mettre en place une trade route tout de suite, sauf qu'on connaît pas encore d'autres civilisations, donc c'est pas génial. Et personne ne nous déclare la guerre pour les 50 prochains tours. Ah, énorme! Sachant que je suis pas obligé de le dépenser tout de suite, le point. Je peux très bien me le garder pour plus tard, ça c'est génial. Je vais prendre celui-là. Bim, unlock.
Et on a du coup nos vaisseaux. Donc ce qu'on va faire, c'est voir si on peut le positionner à une zone qui va recouvrir toutes les planètes pour en faire une station de... Comment ça s'appelle qui va booster l'économie. Après, on en a une deuxième. Est-ce que on a un ascension cristal qu'on pourrait prendre ou en faire un truc de minage ou alors améliorer celle qui existe déjà. Non, on va lui faire explorer un peu en fait. On va s'avancer parce que si on trouve des ressources sympas. Il y a notamment des ressources qui vont booster la recherche sur toute la... Waouh ! Oh putain ! On l'a pas vu celle-là ! C'était caché ! Class 16 Paradise, Shrouded, plus 0,3 de défense et moins 25% d'influence. Ça c'est dommage. Mais... qu'est-ce qu'on construit là ? Un colony ship. Ah je peux pas acheter, j'ai pas assez de thunes. Dommage. On se fait un par tour. Du coup, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va éditer le sponsor de celui. Si j'envoie, j'ai que moins 10% de decay dû à la distance. Voilà. Donc, on pourrait en faire une station. On pourrait, avec celui-là par exemple, faire une station pour récupérer le Durantium par exemple. Bon, on verra. Je veux une planète. Tu en auras une. Celle-là, là, là-bas, normalement. Lightning the Fog. Plus 25% à la portée des senseurs dans... Ah, waouh, ça, c'est sympa. Plus 25%, un quart de plus en portée de senseurs. On le voit pas, ça, la portée des senseurs? Non, je dirais pas. Dommage. Mais en tout cas, ça se voit sur la carte, quoi. On voit qu'on... On voit mieux. Bon, alors... Ah. Yes, donc là j'ai les trois planètes. Donc on va construire une starbase ici. Bim. Donc notre première starbase. Oui, j'ai un public féminin, ce sont que des demoiselles. Votre peuple ont eu des structures permanentes dans l'espace avant, mais rien comme ceci. C'est plus qu'une structure, c'est plus qu'un endroit où construire des vaisseaux. Cette base spatiale est une extension de votre propre civilisation. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes fier, tout ce dont vous êtes fier, tout ce que vous êtes, tout ce que votre peuple est, existera ici. Et ouais, la classe. Bim. Donc on a notre première station. Ah, son classe. Donc ça c'est nous. 5 parsecs, 4 parsecs de portée. Ça, il y a un peu d'équipement dessus. Donc, si on fait un Anecomic Ring, on a une production plus 10% et plus 1 de construction de point. Donc, on fait l'Economic Ring. Voilà. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'on peut faire un Request Constructors. Ça, c'est vraiment un bouton super intelligent qu'ils ont fait. Et quand tu cliques dessus, ça va mettre en file d'attente un constructeur dans une base, dans un shipyard pas loin. Et il va venir pour upgrader la station. Donc ça c'est super bien, sachant qu'on a Starbase Factory de disponible. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser un de ces constructeurs pour l'y envoyer. Et pour le construire tout de suite. Parce que du coup, on va avoir un bonus. Pour l'instant, il n'y a pas de bonus. C'est peut-être au tour d'après que ça s'applique. Ouais, ça doit être au tour d'après. Bon, la recherche. Donc on a des forums culturels. Et on peut faire des traités de Open Borders. Donc on peut choisir une spécialisation diplomatique. Donc soit avoir un bonus général à la diplomatie, ce qui fait que les gens vont plus nous aimer. Augmenter notre taux d'influence. Donc ça, si on veut faire plus s'orienter vers une victoire par influence, c'est ça qu'il faut faire. Soit, ça permet de... d'avoir des deals plus intéressants quand on essaie d'échanger des technologies, par exemple, avec d'autres races. Donc moi, je veux aller vers l'influence dans cette partie, pour une fois. Je veux vraiment me spécialiser dans l'influence pour voir ce que ça donne. Ok, donc ce vaisseau branle rien, donc on va juste l'envoyer. Comme ça, il va scouter cette étoile.
Bah, cette étoile est vide, quoi. Complètement vide. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de planètes. Hein. Donc là, voilà. Plus 10% d'influence grosse, c'est bien. Du coup, là, on peut faire des centres culturels, ce genre de choses, quoi. On va pas y aller tout de suite. Alors, le commerce, on va pas le faire tout de suite. On va prendre Interstellar Travel, qui va nous donner un plus 1 de mouvement à tous nos vaisseaux. Et ça nous donne des prototypes pour des meilleures choses. Donc, ça nous permettra d'avoir des meilleurs vaisseaux, globalement. Donc voilà, on a la Starbase qui est prête, donc on fait hop, Factory, Done, et du coup si on regarde les planètes autour, 5,6 de base, merde. Pourquoi je vois pas le bonus? 9,4 de base. Est-ce que c'est ce base qui est changé? Ou est-ce que c'est... Je vous avoue que je sais pas là. Ah, effet, total production plus 10%. Et on voit les planètes qui sont dans les... Ouais, donc on devrait normalement... On devrait le voir ici, non? Plus 10% dû à la station. Ou alors c'est vraiment déjà mis dans le RAW. Sauf que le RAW, on le connaît pas, quoi. On sait pas comment il est généré. Je crois que c'est la population qui le génère. On est à 15 sur Altaria. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Research Rate, Research Laboratory, Raw Research, Clever, Chat Specialization et Hyper Silicate. C'est quoi c'est Hyper Silicate? Je sais même pas d'où ça vient. Ouais, mais Stardock, ça, c'est quand même... Stardock, en fait, c'est un... Ils éditent des trucs qui sont pas des jeux vidéo. Et apparemment, c'est quand même une grosse boîte. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus un... Enfin, après, ouais. Je pense qu'ils sont équivalents à Paradox. Allez, go. 25% de voyage interstellaire. D'ailleurs, qui avait fait de Stardock, là, que j'avais mis sur ma chaîne, vous vous rappelez, c'était Off-World Trading Company. C'est Stardock qui le faisait, celui aussi. Ah, donc ça, ça m'a fait avancer de 25% ma recherche. Donc c'était pas assez pour que ça se termine, mais ça nous a fait, ça a dû nous faire gagner un tour, je pense. Je peux le... Non, je peux toujours pas le construire. D'accord. Bon, dans 2 tours, il est prêt, et on va coloniser ça, parce qu'il nous le faut absolument. Bon, toi, là, il me sert pas à grand-chose pour l'instant. Hein. On pourrait construire là, le cristal d'ascension, hein. Ah, une nouvelle recherche, ok, donc on a tout ça. Donc on a plus 1 de mouvement sur tous nos vaisseaux. Ça, c'est pour augmenter leur portée. Ça, je suis pas un grand fan, on a des trucs qui... On a une petite galaxie, donc ça a aucun intérêt. La masse des modules de support, c'est pas très intéressant. Par contre, move plus 1, ça je prends direct. Ah, c'est pas eux qui l'ont fait, ils l'ont édité par contre, d'accord. Ah, c'est possible, oui. C'est possible, Taxia doit avoir raison. En tout cas, c'est édité par Stardock. Et Stardock n'édite pas énormément de jeux. Donc ça valait le coup de le dire. Oh merde! Des pirates. Oh putain! Bon, j'ai perdu mon constructeur. Je me suis fait surprendre. Par contre, on a de nouveaux vaisseaux colons. Et par contre, les pirates, j'espère qu'ils vont pas nous emmerder. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce truc-là. C'était juste pour vous montrer, en fait. Ouais, donc il va falloir qu'on commence à rechercher des technologies militaires pour aller détruire ce shipyard pirate. Ah! Une relique de manufacturier. Eh merde, en plus. Ah, je peux pas l'acheter, j'ai pas assez. Ça il nous le faut. Vous voyez, si j'avais encore ce truc-là, je l'aurais envoyé là, quoi. Bah ça, en fait, en plus... Ah, les reliques des précurseurs, nous, on a un bonus pour ça. Les Altariens, là. Mais je sais pas où... Ah bah tiens, on a une nouvelle tech. Xénoarchéologie. Ancien Study Center. C'est quoi ça? Increase bonus from relic.
Ouais, je veux bien le prendre. C'est pas mal ça, remarque. En parlant de films magnifiques, j'ai regardé avant de lancer le stream, là, j'ai regardé Chappie. Il est génial. Faut de plus un partout. Ça, c'est cool. Ça va augmenter la taille de nos planètes. Et merde, encore un. Attends, j'ai pris 25% là-dessus. Ouais, ok, ça va, il s'en va. J'espère que les pirates vont pas le choper. Remarque, il est capable de se défendre, hein, mais. C'est quoi? Il a deux. Oh, il serait capable de se défendre. Non, ça va. Il est caché dans la nébuleuse, le vilain. Allez, notre vaisseau colon arrive. Hop, recherche. Foot plus un. Nickel. Et quoi le truc qui nous permet... Ouais, extrême colonisation. Ça, c'est ça qu'il nous faudrait pour avoir le monde... Et Soil Engineering, ça fait quoi? Ah, c'est... Ça va avec ça, et ça permet encore d'agrandir les planètes. Donc je vais prendre pour 5 tours. Non, j'ai dit qu'on partait plus sur... sur les armements. Parce que je veux me débarrasser des pirates. Salut, Kelit Boy. Ah bah t'es... Coloniser une planète, je regarde qui est le dernier à avoir parlé, Kelit Boy. Voilà. Kelit Boy, tu as de la chance. Non. C'est dégueulasse pour Justicière. Justicière qui disait depuis tout à l'heure qu'il voulait avoir une planète, donc je lui donne plutôt. Voilà, Kelit Boy, tu auras la prochaine planète, promis. Weapon... Ah putain, on a direct recherché du coup le truc. Chappie chapeau, Chappie. C'est un film de science-fiction qui se passe à Johannesburg par le réalisateur de District 9. Alors, l'atmosphère de cette planète qui contient des particules empoisonnées, comme l'air à Paris, et elle a comme effet secondaire de causer des couchers de soleil superbes, magnifiques et spectaculaires. Et dans toute la galaxie, tout le monde parle de leur beauté. Une industrie basique de tourisme s'est développée, ce qui a fait qu'il y a beaucoup de touristes qui toussent à cause de ces particules. Ils sont ignorants des dangers de la planète. Vos colons sont fatigués de marcher sur leur corps. Ah ouais, carrément, ils crèvent en fait. Quels sont vos ordres ? On va réguler de façon très lourde cette nouvelle industrie. On ne peut pas établir une réputation de tuer nos invités, c'est tout à fait logique. Même si ça limite le nombre qui peuvent venir au final. Donc plus 10 en bienveillance et plus 20% de tourisme. D'accord. Faire en sorte que tous les touristes qui arrivent sont informés du danger et leur donner les former et faire en sorte qu'ils portent de l'équipement de protection. Mais ce sont des adultes et ils peuvent prendre leurs propres risques. Et la malveillante, si ces idiots veulent tousser devant un coucher de soleil, pourquoi est-ce qu'on devrait les arrêter? Putain, allez, faisons même de la pub pour qu'il y en ait plus qui viennent. Et faisons en sorte aussi de mettre une taxe sur les gens qui toussent. À chaque fois la truc malveillante elle est énorme, elle est trop drôle. Donc moins 5% d'approbation, plus 30% de tourisme, plus 10 en pragmatisme. Donc vu qu'on a pris la roue du pragmatisme, je pense qu'on va prendre ça. Salut Adeus, bienvenue sur le live. Un truc qu'il faut que je rajoute aussi sur les lives que je fais comme ça, qui vont pas sur YouTube après, c'est des petites pop-up quand les gens s'inscrivent. Parce que là, par exemple, faut que j'aille sur mes mails. Et donc, je dois dire à David Vial et à Killer Sambière de me remercier je vous remercie d'être follower sur Twitch. Et même, je remercie David Vial de s'être abonné à ma chaîne YouTube. Bon, du coup, on reste sur du pragmatisme. Allez.
Oh! Plus 2 à la recherche et plus 1 à la manufacture. Alors ça, c'est si ça, c'est pas beau, même parfait. On a l'antimatière. Waouh, ce qui coûte. Oh putain, il est cher. D'accord. Manufacturing cost. Ouais. Solium data archive. Plus 3 levels à la recherche. Pas mal. Et durantium raffinement. Ouais, mais ça, pour ces deux... Ah non, pour les 3. Ah, pour les 3, il faut avoir les ressources. Ah, c'est bien ça. Donc, Basic Factory. Basic Factory. Et Research Laboratory. Et d'ailleurs, vu que c'est pas trop cher, 450, on peut l'acheter. Ici, on a quoi? Plus 2 levels au Military. Move plus 5%. Pas mal. Player Achievement. Prometheus Stone. Trade Ressources. Deposit of Solid Promethean Gas can improve Drive System. Player Achievement. One per player. Yep. Et il faut construire quelque chose dessus. Et ici, nous avons des Artocarpus Viril. Trade Ressources. Grosse plus 5% et plus 2 levels à la population au truc autour. C'est à cause de ça le petit... Ah, enfin j'ai compris à quoi servaient ces icônes. Cette icône là c'est pour dire que c'est sur la tile et cette icône là c'est pour dire que c'est pour les tiles à côté. Donc j'avais compris que c'était ça l'effet, mais j'avais juste pas compris que c'était l'icône qu'il y avait là. Benevolent, mais non, voyons. Shrouded, planétaire défense plus 25%, influence growth moins 25%. Du coup on a moins 25%. De grosse. Planète classe 16. On est qu'à 6 de nourriture. Mais ça, on va certainement pouvoir l'améliorer. Bon, on verra plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres planètes colonisables à porter? Même pas. Alors, recherche. Ah, ok, on a commencé à avoir des trucs militaires. Donc, je vais revenir à un truc comme ça. C'est mieux, je trouve. On va prendre les défenses. Thème de défense. Ouais, pour souligner ce que je disais sur le fait qu'en début de partie dans ce jeu, les choses sont en règle générale assez calmes, et que si on regarde le tech tree militaire, pour pouvoir envahir des planètes ennemies, c'est ici. Il faut avoir cette tech là. Donc on est déjà à l'âge de la guerre. Vous voyez? Donc c'est pas mal quoi, parce que du coup ça permet d'avoir des débuts de partie assez calmes. Il va me falloir extrême colonisation pour prendre ce monde toxique assez rapidement. Alors, recherche. Ok, donc on a des... Voilà, on va pouvoir commencer à prendre... Non, mais je préfère ça, là. Donc, la précision de tous nos trucs diminue leur masse ou diminue leur coût. Je vais prendre la précision. A tout de suite, justicière. On a un shipyard qui... Ah, parfait. Donc, on a notre deep root qui est prêt. Donc, il faut que je l'envoie à peu près par là pour pouvoir miner ce truc-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on commence les vaisseaux militaires? Alors, vous voyez, ces prototypes-là, ils demandent du durantium parce qu'en fait, ils sont particulièrement puissants. Vous voyez, le point of flight, lui, il a 2 et 4. Et si on pouvait construire un prototype, il serait à 16 et 4. Mais il faudrait un point d'hélium, et on n'en a pas. Je vais faire un petit distant gaze avant. Le jeu, j'arrive pas à le mettre en français. J'ai regardé dans les options. Regarde. Options. Pas de langue. Et on voit d'ailleurs qu'il y a de la place pour mettre plus d'options. Hein, donc s'il faut, ils l'amélioreront après. Pas de choix de langue. Gameplay, pas de choix de langue. Et quand j'ai regardé sur Steam, il n'y avait pas de choix de langue non plus. Salut Valandix, bienvenue sur le stream. A plus Taxia, du coup, si tu t'en vas aussi. Allez, encore un tour. Ah bah du coup, oh, on est... Il nous manque pas grand chose pour le finir, c'est dommage. Je suis étonné du peu de planètes qu'il y ait, et je suis étonné qu'on n'ait pas encore rencontré d'autres races. Donc, on a des meilleures armes. Donc c'est là qu'on peut choisir en fait une spécialisation parmi les trois types. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Galactic Civilization... vos vaisseaux sont équipés
de trois types d'armes différents. Donc vous pouvez vous spécialiser dans un type d'arme ou avoir un peu de chaque. Donc vous avez tout ce qui est laser, tout ce qui est missile et tout ce qui est arme kinétique, donc des gosses, des canons de gosses par exemple qui envoient des projectiles à haute vélocité. Et à l'opposé, pour chacun, c'est pour ça qu'il y a les codes couleurs, vous avez les défenses qui sont spécialisées par rapport à l'attaque. Donc vous avez des boucliers qui protègent contre les attaques par laser. Vous avez du point defense, c'est-à-dire des canons ultra rapides qui détruisent les missiles qui arrivent sur vous. Et vous avez de l'armure qui est capable d'encaisser les coups des attaques kinétiques. Sachant que si vous avez 5 points de défense en point defense et que vous prenez une kinétique attaque, vous allez avoir un peu de défense quand même. Mais c'est pas la plus efficace, vaut mieux avoir de l'armure. C'est là où, avec l'armure, vous avez 100% de défense et vous prenez le moins de dégâts. Oui, Galacticisation, c'est du sandbox, il n'y a pas de campagne. Oui, c'est dommage que je... Mais bon, il est fort probable que qu'une traduction française arrive assez rapidement. Il faut savoir que le jeu est sorti aujourd'hui de la dernière phase de bêta, qui a eu 6 phases de bêta. Moi, j'ai joué à chacune des phases de bêta, où il y a à chaque fois des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties et tout. Ça fait plusieurs mois que la bêta publique est disponible, on va dire. Et d'ailleurs, j'ai une notif. Xenofactory, ID, ouais, complété. Sur Altaria. Ok, donc nos Xenofactory ont terminé. Du coup, elles ont plus 30% et plus 5. Plus 30 et plus 10 parce qu'elle a un plus 2 à cause de cette zone-là qui donne plus 1 manufacturing dans les cases adjacentes. Ce qui nous fait plus 75%. Ah, voilà, le Starbase Factory, on le voit enfin, plus 5%. Enfin. Et grâce à cette Starbase-là, on a plus 5%. Par contre, le total production plus 10%. Ah, le total production plus 10%. Est-ce qu'on le voit? Ça doit être dans le RAW que ça doit être mis. Je sais pas. Bon. Où est-ce qu'on en est, nous? Toi, t'arrives? Ouais, je peux me mettre là. C'est parfait, il me semble. C'est là. Construction d'une Starbase. Et on peut mettre notre premier anneau. Donc c'est là le truc. C'est que, voilà, si je fais un xéno, un labo de xéno-archéologie, hein, manufacturing relic, durantium. Donc on verra au tour d'après l'effet. Et on va voir. Boum, 103 de trésor. Et du coup, voilà, on a gagné plus 10% dans toutes nos colonies de manufacture et plus 10% de recherche partout. Ce qui est pas mal du tout. Si on le revoit ici, on voit Manufacturing Relic plus 10%. Manufacturing Relic plus 10%. C'est parfait. Ok. On a notre shipyard qui ne fout rien. Donc là, on va faire un vaisseau de colonisation. Ou même deux, on sait jamais. Histoire au moins d'en avoir en rab. Et je vais faire 2-3 vaisseaux comme ça de guerre. Ça permettra de se défendre vu qu'il y a des pirates là-haut. Ah oui, ça ce sont les reliques et les ressources. On a un vaisseau qui fout rien, c'est parce que c'est un explorateur. Alors, je préfère jouer en dézoomé. Ah, en voilà un. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est équipé de quoi? De 2 en laser. D'accord. Est-ce qu'il peut choper ce vaisseau? On va essayer de s'éloigner. Voilà. Et je le remets en exploration auto. En recherche, on a eu donc des railguns. Très bien. Et ah, on doit choisir une spécialisation parmi les 3 systèmes de défense qui existent. On va se spécialiser en bouclier. Souvent les ennemis sont équipés de laser. Oui, je connais Starband, il est sympa. Non, justement, effectivement, comme tu dis, qu'Elite Boy, ce n'est que de la... Wow, c'est quoi ça? Righteous Hail M0. J'ai trouvé un vaisseau. Il est où? Il est où? Ah, il est là. Bah. Qu'est-ce qu'il est moche? Et si... Ouais, pas si moche que ça, mais... Je vais lui dire d'explorer lui aussi.
Donc oui, la map c'est que de la 2D. Sword of the Stars 2 est le seul jeu que je connaisse qui est une vraie map en 3D. Ce qui apporte une nouvelle dimension au gameplay, c'est le cas de le dire. C'est une vraie nouvelle dimension. Sachant que dans Sword of the Stars 2, comme vous avez pu le voir, on a une carte très 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 petite, parce que je voulais vraiment vous montrer une partie rapide, je voulais pas que le Let's Play dure 200 épisodes, il va certainement en durer qu'une trentaine ou une quarantaine, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Sur des cartes plus grandes, et avec d'autres races que les humains, telles qu'on les a dans Sword of the Stars 2, où on est très contraint dans notre manière de se déplacer par les lignes qui relient les systèmes, avec d'autres races, on n'a pas cette contrainte-là. Donc, la stratégie 3D est complètement différente. Là, on est vraiment dans le pur 2D, très basique. C'est un peu ce que je reproche à ce jeu, mais bon, c'est un autre gameplay, quoi. Hein. Ça n'a rien à voir, tout simplement. Je dirais que Sword of the Stars a un côté un peu plus, entre guillemets, réaliste. Bonsoir, Paulin LML. Je sais pas trop comment prononcer ton pseudonyme. En tout cas, je suis content de vous voir à tous. Parce que j'ai un nouveau subscriber. Merci à Velman de s'être subscribé sur la chaîne Twitch. Je vous invite, d'après les liens que vous pouvez voir en dessous de la vidéo, si vous venez de me découvrir, à aller voir ma chaîne YouTube, parce que c'est là-bas que tout se passe, et le livestream Twitch n'est qu'occasionnel. Je publie en ce moment, en tout cas, et merde, 5 vidéos par jour. Et voilà. Bon. Alors, je vais vous montrer une bataille. Donc là, pareil, hein, c'est automatisé, nous on fait rien. On peut juste regarder, nous faire défoncer. Et là, boum, les hit points, plus Q8. On a 0 de défense, 0 d'attaque. Ils ont des vaisseaux à l'arrière. Ils les ont même pas engagés. Et boum, on est mort. C'est la défaite. Putain de pirate. Et si je faisais la quick battle, voilà, on verrait juste. Donc c'est un peu à la civilisation, quoi. Hein. Vous ne choisissez pas ce qui se passe. Éloigne-toi. Voilà, ça a l'air d'aller. On a une colonie qui fait rien. C'est quoi, c'est Altaria, notre capitale. Donc ça donne quoi? Plus 1 au tourisme. On n'a pas de tourisme encore, on n'a pas de bâtiment de tourisme encore. Qu'est-ce qu'on a ici déjà? Plus 2 aux militaires sur place et plus 1 à manufacture à côté, très bien. Putain, Altaria, on a vraiment un truc merdique quoi. Plus 2 aux militaires à côté, donc eux ont plus 2 militaires mais ça leur fait rien. Ce qu'on peut faire, c'est un Soil Planetary Soil Upgrade qui nous permet de débloquer une nouvelle tuile. La question en restant, de savoir où est-ce qu'on va la mettre cette tuile. Ça fait plus 1 à l'influence aux deux à côté, alors qu'il y a plus 1 à tourisme. Donc il faudra un truc, si on a un truc qui fait du tourisme et de l'influence à la fois, ça serait tout bénef pour nous. Je pense qu'on va prendre cette case-là pour bénéficier de la présence de la capitale de la colonie, et on va probablement y mettre un autre Xeno Recherche Lab dessus. Et il faudra voir si ce qu'on mettra là, je sais pas encore. Donc ce scout là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer très loin là-bas. Est-ce que le jeu a le potentiel de détrôner Endless Space? Comment te dire? J'ai passé plus d'heures sur Galactic Civilization 2 qu'Endless Space. Ce jeu a un très fort potentiel de modabilité, parce que tous les Galactic Civilization ont toujours été très modables. Je crois qu'il va être intégré avec un Steam Workshop d'ailleurs. Galactic Civilization, c'est un monstre du secteur des 4X spatial, quoi. Je veux dire, c'est un peu le 4X spatial de référence. Pour moi, après de là à te dire est-ce qu'il est mieux ou moins bien, je sais pas. Pour moi, les deux sont différents, les deux se valent. J'ai envie de dire les deux se valent. Est-ce qu'il va le détrôner? J'en sais rien. Est-ce que c'est le meilleur? J'en sais rien. En termes de 4X spatial, en 4X tour par tour, moi je suis pas d'accord. Pour moi, Endless Space, c'est pas le meilleur. Voilà. Mais après, chacun ses goûts aussi. Hein, parce que dans ce genre de jeu, c'est souvent ça hein, aussi. Hein, c'est chacun ses goûts. Hein. Bref. En tout cas, il est bien. Hein, moi, je te le dis, il est bien celui-là. Il est bien foutu. Surtout que j'y reproche, c'est qu'il ressemble trop aux deux. Il y a pas mal de choses où tu te dis, ils se sont pas trop foulés entre l'un et l'autre, du coup. Bon, on s'est spécialisé en bouclier. Alors, on va. Alors, ce que je voulais, c'était. Qu'est-ce que c'est ça? Total production plus 10%. Ah, bah tiens, je prends.
Non, tu... Comment ça se fait qu'il puisse aller? Ah oui, lui il a une portée de ravitaillement beaucoup plus élevée. Donc là on a un vaisseau colon qui part. Bon, on va le remplir. Par contre, je sais même pas où est-ce qu'il y a des colonies. Donc du coup, on va jeter un œil par là. Rassurez-moi, j'avais bien mis des ennemis sur cette map quand même. Ok, il n'y a pas une planète habitable dans ce système. Est-ce que je... Ah, je peux mettre un mining ring dessus. Ça, c'est bien ça. Request constructor. Et celle-ci, est-ce que je peux... Perimeter Stadium, Starbase Defense System. Ouais. Vu que c'est un peu notre avant-poste, on va mettre des senseurs dessus. Donc, gross income plus 20, morale plus 20 ou influence grosse. Idle colony, c'est quoi? C'est Altaria encore? On venait de faire quoi dessus? On venait de faire ça. Donc on va y faire un labo de recherche. Comme ça, les deux ont des bonus dessus. Ah mais avant de faire ça... Cultural Center, Embassy... Influence, Wealth, Tourisme. Ah, c'est intéressant ça. Et nous le faudra sur nos Starbase. Je voulais peut-être Environmental Engineering pour avoir un peu plus pour pouvoir débloquer un peu plus de cases. Ça m'a l'impression intéressant. Oui. Alors moi je joue les Altariens. Ce sont des proches humains. Je sais pas si. Ouais, voilà, les voilà. L'Altarian Resistance. Ah ben voilà, là j'ai un report. Donc voilà la tranche de mes persos. J'ai une relation avec moi-même. Et ça, c'est les bonus de ma race. Il y a quoi? Il y a 8 races de base, mais tu peux customiser ta race. Et choisir parmi un set d'avantages et d'inconvénients. C'est pas mal, mais ça vaut pas c'était quoi ce jeu déjà? Ah, je me rappelle plus là. Putain, comment il s'appelait ce jeu? Bon, ça vaut pas Distant World Universe. Ah, comment il s'appelait ce jeu? Merde, c'est le numéro 7 en plus, je crois, un truc dans le genre où t'avais des trucs de spécialisation quand tu construisais ta race, c'était un truc de malade. Alors, je voulais voir justement quels sont mes... Et je vois pas mes talents ici. Fait chier. Mass Effect. Comment ça, Mass Effect? Alors, est-ce qu'on a croisé des gens ou pas encore? Non, on dirait pas. Alors lui, je vais l'envoyer là. Il faut que j'augmente la portée de mes vaisseaux, c'est ça. Parce que je commence à atteindre... Ah, on a une ressource de Prométhion ici. Ah, lui, on va le laisser en automatisé. Ouf, donc ça, ok. Donc ça, c'est un shipyard... Ah! Ça va, ils m'ont pas chopé. Ah, enfin, on a rencontré des gens. Non, je parle pas de Mass Effect. Non. Mass Effect, c'est un action RPG à la troisième personne. C'est pas un jeu de conquête spatiale. Et tu peux pas customiser ta race dans Mass Effect. Tu peux juste customiser ton héros. Lui, je vais le mettre en défense, je pense, sur cette station. Ah, on a une ressource ici, du thulium. Ok. Donc après ça, on va prendre un truc qui va augmenter la portée de nos vaisseaux. Parce que bah, ça commence à être un problème. On est à la limite. Ah ouais. Ah, allez, voilà. C'est un plaisir de rencontrer un peuple civilisé comme vous. Nous voulons faire du business avec vous. J'espère que... Ouais.
J'ai l'impression qu'on est très... On va voir. Oh, ils nous aiment beaucoup. Même idéologie, on est au-delà de... De leur... Ils sont hors de notre portée et on est un peu skillé en diplo. Donc je peux leur... aller leur... Je peux échanger avec eux des choses. Donc eux, ils font dans le trade. Donc, est-ce que tu me vendrais Xenocommerce contre... Pas moi. Universal Translator. Tu voudrais combien de thunes? 121, c'est tout? Ouais. Pas de problème. Merci. Hop. Donc, du coup, on a chopé... c'était où? Voilà. Truc de commerce. Ah merde! Ah putain, du coup il me l'a changé. C'était ça que j'avais pris. Ça va, ça a gardé en mémoire. Ah, il t'a fait peur? Désolé. Non, je parle pas d'Endless Space. Ah, j'ai essayé de le trouver ce jeu. Comment il s'appelle déjà? Jeu 4X. C'est... Alors, c'est pas Masters of Orion. Il y a pas une histoire... Ah, si, voilà. Star Empire, non. Space Empire, non. Space Empire... Je me demande si c'est pas Space Empire. Civilisation bien neuve. Non, ça, c'est de la merde. Kings of Solar Empire, ça a rien à voir. Ouais, c'est ça, c'est Space Empire 5 dont je parle. Space Empire 5. Dans ce jeu, vous avez des possibilités de personnalisation de votre race qui est juste incroyable. Et c'est un vieux jeu, hein. Oui, Aurora. Aurora, c'est le nec plus ultra. C'est le meilleur 4X qui existe, Aurora. C'est juste qu'il est injouable. Ce qui est dommage, hein. Alors, ils veulent le seul announcement. Ouais, je te le donne. Alors, tu m'aimes encore plus? Yeah! Tu m'aimes encore plus. Est-ce que je peux faire un pacte avec toi? De genre non-agression. Ah, on doit attendre. D'accord, ça, c'est, je savais pas. Du coup, on a eu Environmental Engineering. Donc, on pourrait prendre Environnement Spécialisation. Improvement Level plus 1. Ah d'accord, alors ça c'est les bonus d'adjacency, donc le truc dont je parlais là quand vous avez une tuile qui puis qui donne des bonus autour. Donc soit on booste de plus 1 pour, on a l'impression à chaque fois que c'est, bah, c'est pareil, non c'est pas pareil. Ici c'est pour la manufacture, ici c'est pour la recherche, et ici c'est pour l'économique. Mais bon, c'est 6 tours ces trucs là, un peu trop pour moi. On est dans colonisation, si je reviens à influence... Ouais. J'ai des messages sur mon téléphone, je vais regarder vite fait ce que c'est. Ouais. Ah, c'est Twitch. C'est Twitch qui a envoyé un mail à mes deux boîtes mail. Ah voilà, là on pourrait faire des pactes. Exploration treaty, embargo third party, diplomatie bonus. Ça je veux bien. Excusez-moi. On va s'éloigner de ces pirates à la con. Ah, là on a une planète classe 4. Ouh, c'est un peu mauvais ça. Et eux, lui, il est en train d'arriver. Ah, classe 13 plus 50% gross income. Bim. Alors, comment allons-nous nommer cette planète? Je vais regarder la dernière personne qui parlait dans le chat. Poum. Ah non. Donc, merde. C'est... Je devrais pas faire comme ça. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça te va, Paulin? Ou alors, parce qu'il y avait Kelly Boy, sinon, que j'avais dit tout à l'heure. On va dire Kelly Boy. Paulin, tu seras le prochain. Kelly Boy est arrivé avant. Alors, en atterrissant sur ce monde, vous rendez rapidement compte qu'il a été habité avant. Effectivement, on dirait que ça, c'est notre colonie, et ça, c'est... Effectivement, c'était assez obvious. Sous la glace du Nord, des explorateurs ont trouvé un ancien vaisseau. Ils pensent qu'ils peuvent libérer ce vaisseau de la glace, mais
la fonte qui va résulter, et en résulté, va inonder beaucoup de terres arables sur la planète, et ça va changer le climat, ce qui va tuer la plupart des espèces natives qui sont uniques. Donc, l'option bénévolente, bienveillante. Laisser le vaisseau enterré, ce qui nous fait une tuile en plus. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. On crée des refuges à l'intérieur des terres pour les espèces natives et on laisse le vaisseau enterré, mais on étudie sa technologie. Plus 25% de recherche. Ok. Il y a déjà suffisamment de vie dans l'univers. Libérer le vaisseau, c'est assez rare de libérer des vaisseaux. Allez, on se fait plaisir. Donc du coup, malveillance, moins 25% au cap de population quand même. Un nouveau vaisseau précurseur. Et la plupart de la planète est inondée. Bon, ça me plaît pas. Alors j'hésite entre... Ouais, j'hésite entre, comme tu dis, Kelly Boy. D'accord, PL01 après Valandix. Mais ce que je ferai la prochaine fois, sinon, c'est que je dirai, je ferai une liste. Je ferai une liste, parce que ce que je dis là de faire, je regarde la dernière personne qui a parlé, ça marche si j'ai 400 personnes dans le chat, quoi. Si j'en ai que 9 ou 10, c'est pas, faut pas faire comme ça, c'est débile. Parce que j'ai vu quelqu'un d'autre faire comme ça, et sur le coup, j'ai pensé à faire comme ça. Bon, une planetary tile, ça peut être sympa, parce que si on construit dessus un centre de recherche, on a plus de 25% de recherche. Vous voyez ? Ah mais ça c'est un bonus global. Ouais mais les centres de recherche c'est des bonus global aussi. Hein. Ouais mais ça... Ah. Je sais pas. Sachant qu'on n'est pas obligé de se spécialiser dans la même idéologie. Hein. On peut très bien avoir des points dans toutes les idéologies si on veut. Hein. Allez, pour le pragmatique, Kelly Boy a décidé. C'est parti. Attendez, je finis un truc, j'ai mes mains occupées. Voilà. Non, n'imaginez rien. J'étais juste en train de faire quelque chose. Bref, donc on a une grande planète. Super. Plus ça à la population, plus ça à la richesse. Donc si on met un hôpital colonial dessus, on fait plus 2 levels aux adjacents. Augmentation de la growth. Ça augmente la nourriture. Non, c'est population qu'il faut augmenter. Donc c'est un hôpital colonial qu'il faudra, mais je ne peux pas le faire maintenant. Ensuite ici, plus 3 militaires et plus 1, d'accord. Donc militaire, c'est... J'ai pas encore le truc pour faire du militaire. Donc ce qu'on va y faire, c'est qu'on va faire au moins une basic factory, histoire de booster un peu la production. Voilà. Une deuxième pour encore plus booster. Et il va nous falloir des centres de recherche, mais je pense qu'on va profiter de ces centres de recherche pour les mettre ailleurs. Ici, on va faire un hôpital colonial. Le sol est plein... Ah putain, c'est vrai que j'ai 2 trucs pour augmenter. Bon, on va déjà construire ces 3 trucs-là, on verra après où est-ce qu'on en est. Bon, on a une colonie qui est assez éloignée du reste du monde. Et on a gagné un nouveau point d'idéologie. Donc nos vaisseaux opèrent à 100%, soit ici la distance, ça c'est sympa, très sympa ça. Mais je vais prendre le freighter parce que on a débloqué la techno pour avoir des freighters. Si on regarde ici, trade, et on a 3 sur 3 de disponibles. D'ailleurs qu'est-ce que je fais dans mon putain de shipyard? Ah ouais, c'est vrai que j'étais en train de faire ça. Donc on va faire des trades. 2 de plus vu qu'on a 3 emplacements disponibles. Et ce vaisseau là on va l'envoyer. Ça, j'ai une grande portée avec lui. Ah, je peux aller n'importe où dans l'univers. On va l'envoyer vers les Iconiens. Ah oui, c'est vrai. Avant de faire diplomatie là, on revient à l'ingénierie et live support. Ship range plus 1. Ça, on en a besoin. C'est vraiment urgent.
Alors, ce truc classe 4, c'est vraiment mauvais. Je pense que les 4 vaisseaux vont me choper, là. Ça arrive régulièrement, qu'Elite Boy, que des gens aient des drops sur mes lives. Pourtant, je ne stream qu'en 720p. Mais c'est parce que ben, vous prenez la source directe et que Twitch ne fait pas de... ne fait pas de multiplexage parce que je ne suis pas partenaire Twitch. Si vous avez l'habitude de suivre des grosses chaînes Twitch, les mecs ils sont partenaires Twitch et du coup ils ont droit à des gros avantages. Wouah, je veux ça. J'ai pas de vaisseau colon. Ah si, dans 2 tours. C'est bon. Allez, on devrait le faire. Mais bon, le problème c'est qu'il y a un putain d'enfoiré juste à côté. Ouais, casse-toi par là. Parfait. Classe 15. Après ce paradis là, classe 13. Et c'est quoi les bonus? Plus 25% influence et plus 25% moral. Mais c'est parfait. Il me le faut tout de suite ça. Bon, je suis rassuré de voir que... Je suis rassuré de voir que les autres n'ont pas les mêmes problèmes. Waouh, vous êtes 16 sur le... live. Non, plus que 13. Il suffit de le dire pour qu'il y en ait 3 qui se barrent. C'est gentil. Bon, on va essayer d'aller visiter ce truc là. Ah non! Ah putain de merde! Me fait choper. Ah non. Bah qu'est-ce qu'ils font ces vaisseaux pirates? Ils se touchent. Là j'ai un... Ouais, et je vais l'envoyer là. Ah putain, à nouveau. Ah ça va, il s'éloigne. Ah, c'est bon. Golden Age, yeah! Toute la galaxie est rentrée dans un âge de prospérité. Le business est florissant. Le standard de vie parmi toutes les civilisations grandit à un taux incroyable. Et les ressources en taxes, les revenus de taxes, augmentent. Des experts galactiques sur l'économie disent « Ça, c'est le nouveau normal. rien ne pourrait mal se passer, bien entendu. Tous les économistes, que ce soit au niveau galactique ou juste au niveau de notre planète aujourd'hui, disent ce genre de choses. Plus 1% d'économie pour toutes les races. Bon, c'est bien. Colonie. Boum. Petit écran noir. Allez, tu vas me coloniser ça. Mais j'espère que... Ouais, ça va être galère parce que j'ai pas de vaisseau de combat dans le coin. J'en ai un ici. Ouais, mais je sais pas s'il peut vraiment nous défendre. Je vais l'avancer un peu, histoire de... Ah, alors voilà. Ship range. Et tous nos dizaines ont été upgradés du coup. Choose new tech. Prendre ça. C'est quoi ça? Nanoukt. Alors, on a des centres de recherche. D'accord. Ah, on pourrait faire des upgrades. On pourrait en faire un ici même. Comme ça, on pourra profiter d'un bonus depuis la Colonial Capital. Plus de level to research. Putain, il faudrait que j'en mette à côté de ça aussi. Ah oui, si tu cherches un nouveau 4X à auquel jouer, en multijoueur, je te conseille celui-là. Hein. Parce que Galactic Civilization 3, il a quand même... enfin, on va dire que le 1 et le 2 ont prouvé que c'était des bons jeux, quoi. Et le 3 se base énormément sur les mêmes systèmes, quoi. Il n'y a pas vraiment de surprise sur ces jeux. Donc c'est des bons jeux, c'est des très bons 4X. Donc oui, oui, je vous les conseille, il n'y a pas de souci, hein. Plus de militaire, plus de manufacturing, pas intéressant. Plus ça au tourisme. Est-ce que j'ai des trucs de tourisme? Pas encore, non. Ouais. Alors, je pourrais faire ça, là. Plus d'eau militaire. Ouais, j'ai pas de military non plus. Alors, on pourrait faire un seul engineering, du coup. Mais où? Excusez-moi.
Désolé pour ça. Non, sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est un seul engineering ici pour bénéficier d'une nouvelle case où on va faire de la manufacture. C'est notre capital en plus. Alors du coup, on peut aller voir peut-être ça là. Ah merde, non, non, non. Putain, c'est pas vrai, c'est putain de pirates, ils sont chiants. Qui vont me tuer. Non. Si. Ah, je suis mort. Putain! Hop, 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 hop. Là, je suis pas d'accord. Voilà. C'est quoi ça? Ça, c'est notre vaisseau de commandement, de truc. Donc, tu viens par là. Ah merde! Ok, je peux pas le déplacer. Donc, lui, il va rester là pour le protéger. Donc, tu passes ton tour. Voilà. Ok, il s'éloigne. Lui, il vient jusque là. Ok, donc je reste là pour le protéger. Passe. Ben, je sais pas encore. Je les découvre, les pirates, avec vous. Et je t'avoue qu'ils sont bien pénibles, ouais. Parce que du coup, ils m'empêchent d'aller explorer des zones d'espace de peur de perdre mes scouts. D'ailleurs, il y en a un là, il commence à être bien entouré. Éloigne-toi. Surtout, en fait, c'est qu'ils ont des... Ils ont des shipyards, tu vois. Ça, c'est un... truc naval qui compte et ils les construisent, donc il y en a de plus en plus. Si on va pas détruire le shipyard, ils vont se multiplier, donc il faut aller péter le shipyard. Le problème, c'est que j'ai pas encore l'équipement pour le faire, quoi. Bon, là franchement, si je me fais péter mon vaisseau colonie par les pirates, je crise, quoi. Et ils vont me le péter. Non, putain, ils me l'ont pas pété. Go 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 go. Alors, c'était à qui? C'était à Valandix. En plus, ça fait vraiment nom de planète. Valandix. Boum. Earthquakes. Il y a des tremblements de terre chez toi, Valandix. Ouais, attends la trad FR, c'est un conseil. Bon, moi, ça me gêne pas personnellement, mais c'est quand même plus agréable. Alors, dans l'année passée, cette planète est devenue beaucoup plus active tectoniquement parlant, avec des tremblements de terre réguliers et des éruptions volcaniques. Sur le bon côté, ça rapporte beaucoup de minéraux, ça remonte beaucoup de minéraux qui ont beaucoup de valeur à la surface, et du coup c'est beaucoup plus simple à miner. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont tués par la lave, effectivement. Vos ingénieurs pensent qu'ils peuvent stabiliser la croûte pour arrêter les tremblements de terre, mais cette décision n'a pas encore été prise. Quels sont vos ordres? Donc, l'option bienveillante. Nous ne pouvons rien faire qui met en danger notre peuple. Stabilisez la croûte et faites en sorte que cette planète redevienne normale. Donc, plus 10 de bienveillance et moins 100 crédits pour 100, c'est des billions de crédits, hein, donc c'est moins 100 milliards de crédits pour les réparations. On a les thunes, on peut faire ça. Ne rien stabiliser. On commence à bouger notre peuple dans des structures plus sécurisées et une fois que c'est fait, on augmente notre capacité de minage. Donc plus 10 pragmatique, moins 25% à la... pas la taille, c'est pas la taille, c'est là. La vitesse à laquelle ils grandissent, sachant que c'est une grosse planète. Plus 10% à l'économie, plus 10% au manufacturing. Ça, c'est pas mal du tout. Et pourquoi poser la question? Les bâtiments peuvent être reconstruits. Les gens peuvent être élevés. Cette colonie est maintenant un camp de minage et tout le monde doit faire avec. Non, on va faire la deuxième, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tu es instable, Valandix, comme tu dis. Trop de café.
Bon, en attendant que vous me disiez ce que... Alors, je tiens à dire merci à Elzheimer qui me suit à présent sur Twitch. J'ai pas encore mis de truc pour que ça apparaisse à l'écran, ça fait un moment que je dois le faire. C'est quoi ça? Ah, on peut réduire le délai dans Twitch, maintenant. Parce que entre le moment où vous voyez ce que je dis et le moment où je l'ai vraiment fait, il y a à peu près 30 secondes à une minute. Boum, je clique. On va voir si ça... Ah, par contre, du coup... Donc, vous verrez ma réaction au message plus tôt, mais certains d'entre vous, ceux qui ont des connexions assez pauvres, auront plus de buffering. Bon, je vais l'enlever parce qu'il y a déjà des gens qui ont des problèmes de buffering sans ça. Donc, je l'active pas. Pas grave. Au moins, vous êtes au courant que... Vous êtes au courant du problème, quoi. La B, la réponse B, la réponse B, plagmatique. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Plus 2 à la manufacture, plus 1 au tourisme. Plus 3 à l'approuval, plus 1 à l'influence. Ah ah. Et ici, nous avons plus 3 à la population et plus 1 à l'approuval. Ça, c'est bien. Donc, vu que c'est déjà une grande planète, planète casse 15, on pourrait faire ici plus 3 tout pop. Ah, mais c'est... Ah! Je croyais que c'était la nourriture qu'il fallait. Des fois, je ne comprends pas complètement ce jeu. Plus 2 à la pop. Donc si je construis ça, il va être level 3 direct. Si je construis ça, il est level 3 direct. Donc, ça marche pour les deux. Population improvement, 3. Foot plus 2. Et level 3, foot plus 1,5. Donc ça nous fait 3,5 de food en plus, donc on monte à 9. Et si je prends juste ça, ça vous fait grosse plus 15%, donc ça viendrait contrer le truc négatif qu'on a de moins 25%. Non, c'est un truc unique par colonie, donc ça marche pas. C'est pas ça. C'est bien ça qu'il faut. Si je mets là, je suis level 3. Donc on va faire une farm ici. Est-ce qu'on l'achète? 450, non. On va la laisser se construire et puis on décidera après de ce qu'on fait avec le reste. Ok, donc toi, par contre, évacuation. Et on va faire notre première trade route. Ah, mais ça c'est... Vu le petit trait qu'il y a là, je pense que c'est une base, c'est pas une planète. Et toi, tu vas aller... Par là. Oui, Valandix, vous êtes à ma plaisante. Vous êtes surtout une très grande planète, ce qui est cool. Une planète sereine, en plus. C'est assez concept. Il y a des tremblements de terre à peu près toutes les deux semaines, mais les gens sont sereins. Vous voyez? C'est le genre de planète où on a tous envie d'aller se prendre sa retraite. C'est clair, moi. C'est vrai, qu'est-ce que serait la vie sans les tremblements de terre? Je veux dire, c'est tellement... On se ferait chier, quoi. Tu vois? Donc tous les gens ont envie de prendre leur retraite sur Valandix. Bon, c'est quoi? Altaria encore? Putain. Ah oui, j'avais construit ça. Du coup, on avait quoi? Plus un manufacture. Donc ça, on va le faire. Une factory. Bon, encore une idole colonie. C'est quoi? C'est Justiciaire 2. D'accord, c'est la nouvelle planète qu'on a fait. Du coup, ouais, grâce à ce truc, on a chopé des plus 1 et là, on est en niveau 2. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, plus 3, wealth. Et, ah, bah c'est les market center. Si je le fais là, niveau 3, gross income, plus 15%. Et du coup, plus 1 wealth au voisin, mais avec le truc, on a plus 1 influence. Donc on va faire un consulat ici, et on va voir ce que ça donne déjà. Allez, prochain tour. Ils veulent recherche spécialisation. Bon allez, je te le donne. Je suis vraiment sympa dans cette partie. Hein. Gave us a gift que plus 1. Lol. Ouais, Japan World, c'est ça. Dommage que les caractéristiques soient pas liées quand même. Effectivement, c'est un petit peu gênant, je trouve. Mais bon, c'est la magie du truc, on va dire. Hein. Donc voilà, ça c'est la Burba Starbase. Je sais pas ce qu'il y a dessus, c'est normal.
Mais du coup, il faut que j'explore pour trouver leur planète. À mon avis, ils doivent être là. On avait des choses à choper d'ailleurs, non? Il n'y a pas une seule autre planète dans le coin, quoi. Donc, on a augmenté notre portée. Donc, je pense que ça suffit en termes de portée. Ce qu'on va faire, c'est que... On va prendre militarisation. Comme ça, on va pouvoir commencer à mettre des systèmes de défense sur nos planètes. Boum! Qu'est-ce que... What? Il y avait pas... Ah si, stacked ship. Et pourquoi il y a des pirates sur le même lieu que mon vaisseau? Ok, donc ça on l'a chopé. On va prendre des meilleurs boucliers peut-être. Salut Bayman 200, bienvenue sur le stream. Ah oui, au fait, c'était ça que je voulais. On va prendre Environmental Research. Ah, il y a une grosse planète là, classe 13, extrême colonisation. Il va falloir qu'on aille vers la colonisation du coup. Si on peut prendre des planètes plutôt que qui sont de taille extrême, parce que on en a une ici, il y en a une là-bas. Tiens. Donc sur Nanook, on a fini de construire. Ah, c'était cette tuile. On pourrait en faire une autre. Ah, c'est quoi ça? Plus 1 à la recherche. Ouais. Peut-être pas. Ah, mais il y a plus 2 à la recherche à côté de ça. Donc si je fais du soil engineering ici, genre ici, comme ça sur ces deux-là, je pourrais avoir plus 2 à la recherche et je pourrais... Ouais, on va faire une planète spécialisée recherche. Tu es en ta race, tu peux coloniser plus ou moins facilement où tout le monde a les mêmes soucis et les mêmes technos. Tout le monde a les mêmes soucis et les mêmes technos. Sauf les Yor, qui sont une race cybernétique, qui peuvent coloniser des mondes stériles, que les autres ne peuvent pas coloniser, mais qui sont souvent des mondes très petits. Mais après, effectivement, chaque race a un gameplay, a des contraintes très 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 proches, très similaires. On va dire que ça... Comment dire? Ça équilibre un peu mieux le jeu, quelque part. C'est plus pensé, on va dire, peut-être pour le multijoueur. Mais après... Moi, c'est un peu ce que je reproche à ce jeu. C'est pour ça que Galactification, pour moi, c'est pas mon meilleur 4X préféré. Pour moi, mon meilleur 4X préféré, c'est Swords of the Stars 2. Mais par contre, il est injouable en multijoueur. Mais moi, je suis pas un joueur de multijoueur, donc ça me gêne pas, tu vois. Mais effectivement, dans Swords of the Stars 2, on a vraiment des trucs de colonisation très différents en fonction des races et tout, ce genre de choses. Et du coup, bon... Ici, les contraintes de colonisation, comme vous le voyez, il y a déjà... on a tous ces trucs-là. Vous voyez? Voilà. Classe 4, barely habitable, avec un corps actif. Bon, là, par exemple, on a une classe 0. Truc mort. Donc ça, c'est incolonisable. Probablement parce que, bah, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce que, comme tu dis, Valandix, la planète n'est pas solide. Donc, effectivement... tu n'as pas de techno dans le late game qui te permet de coloniser des géantes gazeuses. Je crois pas, en tout cas. C'est simple, hein, il suffit d'aller voir. Hein. Regarde le tech tree. Dans la colonisation. On peut voir l'extrême colonisation. Atmospheric cleansing. Donc, toxic world mastery, radioactive world mastery. Ça permet, en fait, on va dire... Vous voyez, on peut même pas coloniser de base les mondes aquatiques. Parce qu'on n'a pas la technologie pour s'installer sur un monde aquatique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve assez dommage qu'il n'y ait pas plus de différence entre les games. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon, c'est un choix de gameplay. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire... Comment dire? Est-ce que ça veut dire que cette planète a... Ouais, bah oui. Est-ce que toutes les planètes que j'ai... Non, ça c'est une Starbase. Ouais, il y a de l'eau aussi. Il y a... Ouais, on dirait qu'il fait un peu plus froid ici quand même. Et ça, c'est un monde toxique. Donc l'atmosphère est toxique sur cette planète. Voilà. Ça vole pas très très haut en termes de contraintes de colonisation, je suis d'accord. C'est un peu, on va dire, un des défauts du jeu. Sword of the Stars 1, une meilleure réputation que le 2, pourquoi? Alors,
parce que c'était le premier jeu de Kerberos Productions, il est fini. Il est propre, c'est un bon jeu. Moi, je l'aime pas, personnellement, j'arrive pas à m'y mettre. Mais il a les mêmes points forts que Swords of the Stars 2, c'est-à-dire la carte en 3D. C'est surtout leur point fort à ces jeux-là. La carte en 3D, c'est le seul 4X avec qui ont osé ça. Parce que c'est assez compliqué à s'y retrouver quand on commence à avoir des cartes un peu grosses. C'est un peu le bordel, et d'ailleurs vous avez des cartes en 2D dans le jeu, hein. Ils proposent des cartes en 2D, on peut jouer en 2D, ou plutôt dans des disques, donc c'est une carte très aplatie. Le 2, en fait, a une très mauvaise réputation, parce qu'à sa sortie, il était littéralement injouable. Mais littéralement, moi je l'attendais mais comme un fou, je l'ai installé, je l'ai lancé, poum, il a planté, j'ai galéré à le faire tourner, il y avait des problèmes en fait, c'est dans les chemins de fichiers, vu que j'avais des accents dans mes chemins de fichiers, bah, le jeu refusait de se charger, j'étais obligé de créer un compte Windows sans accent dans le nom pour pouvoir jouer au jeu, donc je devais me connecter sous ce compte-là pour pouvoir jouer au jeu, puis au bout d'un moment ils l'ont patché, et en fait, ils ont sorti le jeu, mais genre 6 mois, il y avait besoin, non j'exagère, 6 mois c'est, j'exagère, allez, 3 mois. Facile, 3 mois, il y avait 3 mois de boulot nécessaires pour finir le jeu. Et ils l'ont sorti plus tôt, et d'ailleurs le producteur s'est venu s'excuser platement sur les forums et tout, parce que en gros ils étaient en train de perdre tellement d'argent dans le développement, ça se passait pas très bien, qu'ils ont dû le sortir plus tôt pour essayer de faire rentrer du cash. Et ça a été très mal perçu par la communauté, ce qui est normal. Et c'est triste parce que ce jeu a un putain de truc qu'aucun autre n'a, quoi. Tu vois ? La complexité des vaisseaux. Des biomes planétaires et systèmes. Ouais, ça peut être sympa, ça. Moi, pour moi, un bon 4X, c'est un 4X qui permet, dans des niveaux de technologie très avancés, de construire des sphères de Dyson sur des soleils, faire des anneaux autour de monde, autour de géantes gazeuses, des anneaux d'habitation, enfin des trucs de science-fiction futuriste, quoi. Vraiment un truc de grande échelle, un truc de malade. Il y a certains jeux qui le permettent, ce genre de choses. Hein. Et par contre, Galactic Civilization 3, je pense pas que ça va jusque-là. Swords of the Stars 2, je crois pas non plus, mais le Tech Tree permet de faire des choses assez sympathiques, et puis surtout le Tech Tree, il est pas clair du tout, ce qui fait qu'on a souvent des surprises quand on fait des recherches. Par exemple, vous pouvez chercher l'intelligence artificielle, puis vous commencez à équiper vos vaisseaux avec des modules d'intelligence artificielle, ce qui les rend vachement efficaces et tout, vous êtes là, putain, c'est super puissant comme techno. Et puis au bout de 30 tours, vous avez une rébellion des intelligences artificielles, et vous vous retrouvez avec des vaisseaux à vous qui se retournent contre vous, et vous devez lutter contre, quoi. Et la première fois que ça vous arrive, vous êtes là, mais what the fuck, c'est quoi ce jeu, il est trop bien. Voilà, vous êtes ce genre de choses, on va dire, quoi. Mais bon, j'espère dans mon let's play pouvoir aller assez loin dans le tech tree pour pouvoir montrer ce genre de choses. Ah, nouveau freighter, ouais, capital, ok, donc on peut le lancer, il est déjà lancé, et je pense qu'il faut que je l'envoie à peu près par là. Est-ce que ce jeu est plus compliqué que Europa Universalis ? Ils sont même, à mon sens, ils sont même pas comparables. Europa Universalis, c'est un jeu qu'on appelle de grande stratégie, alors que là on est dans du 4X, d'exploration, d'expansion. C'est vrai qu'il y a des similitudes. On pourrait très bien penser que Europa Universalis, avec tout son système de colonisation, c'est de l'exploration et de l'expansion, la Terra Incognita, tout ça. Mais ça a tellement rien à voir. Déjà, le fait d'avoir du tour par tour. Europa Universalis, c'est pas du tour par tour, à moins de considérer que chaque jour est un tour. Et encore une planète extrême. Flagarty 3, classe 13 Paradise, Aquatic World. Mais effectivement, pour moi, ils sont pas vraiment comparables, ces deux-là. Bon, on va bien arriver à trouver leur planète ou pas? Alors, donc on a fini ça, ok. On va faire une Basic Factory ici. Déjà, le temps qu'ils construisent ça, on a le temps de voir. Notre morale n'est... Ah, les Drengin. Ah, you are the race with the same soft skin as you... Ouais, vous êtes la race qui a la même peau aussi douce que celle des humains. Est-ce que vous êtes aussi dangereux qu'eux? C'est ce que je me demande. Nous sommes suffisamment dangereux, Drengin. Bim. Alors eux, ils devraient pas nous aimer. Ah si, ils nous aiment bien. On est au-delà et on a un skill en diplo. D'accord. Alors que eux nous adorent, mais grave quoi. Est-ce qu'ils acceptent? Ouah, je peux toujours pas faire de trade avec eux. Putain, c'est long. Salut, Ho Ivory. Bienvenue sur le stream. Oui, Galactic Civilization 3 est comparable à Civilization.